Je suis un peu plus de temps.
Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter. Moi, c'est Sylla Abdoulaye, et le premier vice-maire de la commune de Kalou. Monsieur le maire, nous vous présentons notre audience. Voilà, nous avons appris ce matin qu'il y a eu un drame s'est produit dans votre quartier. Oui. Que trois personnes, dans lequel trois personnes ont perdu la vie. Ouais. Donc, expliquez-nous ce qui s'est passé. Bon, je ne peux pas vous expliquer exactement ce qui est passé, mais selon les informations recueillies par des uns et des autres, il paraîtrait que c'est un drame, oui. Et c'est trois personnes de même famille, le père et ses enfants, le fils et sa fille, qui ont rendu l'âme. Pour des raisons, il paraîtrait que c'est avec la tombée de pluie d'hier nuit, il y a eu l'inondation dans leur concession et le courant et l'électricité, le fil des mauvaises installations à travers les ménages. Bon, c'est ce qui a causé leur mort. Ouais. Donc, ce qui veut dire que le fil est tombé dans l'eau? Non, le fil n'était pas tombé exactement dans l'eau, comme je dis bien. Je viens d'expliquer même ça dans la famille. Mais affaire de courant. Le barrage électrique est géré par l'État, le gouvernement. Du barrage au poteau électrique, ça c'est le transport électrique. C'est une autre entreprise qui gère. Mais du poteau, l'installation des poteaux, ça c'est l'EDG. Maintenant, les ménages qui doivent faire des bonnes installations, c'est à cause de ça qu'il y a eu... ce dégât. Parce qu'il y a eu mauvaise installation, c'est-à-dire les fils qui sont installés dans les différentes maisons. Il paraîtrait que... Mauvaise installation. En tant qu'autorité locale... J'ai demandé à mon chef de quartier, chef carré et chef secteur, de sensibiliser les différents ménages, de faire la bonne... les bonnes installations de recruter des professionnels, d'arrêter de donner l'installation à des personnes qui n'ont pas appris professionnellement ce métier. Le courant, c'est quelque chose de très dangereux. Il faut vraiment recruter des entreprises qui sont vraiment professionnelles pour faire des bonnes installations. Il y a un fil qui a été, voilà, le... Comment on appelle ça? Le fil, il y a eu partie en caoutchouc. Partie caoutchouc qui était vraiment exposée. C'est ce qui a fait que le courant est parti sur les tôles. Donc c'est à travers ça. Ça ne vient pas du poteau. Hein. D'accord. C'est pas au niveau de l'EDG. Dans ce drame, effectivement, on a appris qu'il y a eu trois personnes qui ont perdu la vie. Oui, il y a eu trois personnes, c'est dommage. Voilà, parce que la vie, vous savez, nous sommes tous appelés demain à répondre à l'appel. Et la mort, elle est inévitable. Hein. Les corps se trouvent où après? Les corps se trouvent à la morgue. Et l'autorité communale et au niveau de la mairie, le maire est... a appelé le maire, on est venu ici, on a appelé le directeur de l'action humanitaire qui gère les catastrophes. Nous avons pris le corps, on a envoyé le corps à la morgue. Il y a le médecin légiste qui doit se prononcer, regarder le corps, ça, parce que c'est eux aussi qui doivent faire leur métier. Et à partir de demain, ils vont autoriser la famille biologique à récupérer les corps et procéder aux vénérations. C'est ça. Maintenant, Madame la gouverneure aussi s'est vraiment mise à la disposition. Il a envoyé son cadre, Réméo. Nous étions tous là. Le quartier, toute l'autorité était présente. Nous sommes à côté de la famille biologique. Nous sommes à la maison mortuaire pour s'occuper de tout ce qui est comme charge. Ce que nous pouvons faire, nous ferons quand même de notre mieux. Et
au nom de la mairie, au nom de la commune, nous regrettons quand même cette acte. Mais comme on n'a pas la volonté, cette volonté, et on n'a pas d'autre chose, on ne fait que remettre ça au bon Dieu, parce que c'est Dieu, que la terre soit légère et que son âme rayonne dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dans l'empire des morts. On ne fait que accepter. Que Dieu pardonne son âme.